Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites pas gaffe à ma tête. C'était pas prévu que je vlog, il est déjà 11h30 déjà. Ça passe trop vite le matin. Sans bébé, c'est vrai que j'essaie de faire un maximum de choses que je peux pas faire quand elle est là, mais il me faudrait clairement 3 jours d'affilée pour remettre l'appart dans l'état. Je veux faire tellement de choses en fait que j'ai pas le temps. Bref, c'était pas prévu que je vlog. Grosse flemme aujourd'hui, grosse flemme de tout. Je perds mes cheveux à fond, regardez. Je fais ça, je perds des poignets quoi. Flemme de tout, je vous ai mis des photos sur Instagram de tout ce que j'avais à faire, j'avais la flemme. J'ai quand même fait ma cuisine, donc j'ai tout nettoyé, machin, machin. J'allais m'aventurer à faire des gâteaux. Et pourquoi j'ai pas fait? Et je me suis pas aventurée plus à faire les petits gâteaux que je voulais faire pour le goûter, parce que je n'ai plus de beurre. Voilà, il me reste du beurre salé là, mais j'ai pas envie d'utiliser pour, c'est du bon beurre pour faire ma pâtisserie, donc c'est pas grave. On se passera de gâteaux. Du coup j'ai fait ma cuisine, j'ai rangé le point jeu à Juliette, j'ai bien cleané, j'ai fait un gros tri dans ses jouets parce que clairement elle en a beaucoup trop. J'en ai rendu quelques-uns à ma maman, ça c'est ce que je vais aller lui rendre tout à l'heure, puisque ma maman garde un petit bébé de 4 mois et donc voilà, il y a des jouets. Juliette maintenant elle est trop grande, c'est plus trop de son âge, donc je vais les rendre à ma maman. Et j'ai enlevé ici, si vous me suivez, j'avais donc la piscine à balles, et juste derrière la piscine à balles j'avais un gros banc mouté là, qu'on avait acheté à But, qui est d'ailleurs hyper joli. Et bien je l'ai enlevé parce qu'en fait dedans c'est tous les jouets en trop à Juliette. Voilà, vous savez, je lui fais en roulement etc, et il y a certains jouets que je joue pas trop, je lui cache, enfin je lui cache, je lui range, je lui ressors plus tard. Et donc ça me bouffait vraiment trop de place dans le salon, donc je l'ai mis, on ne voit absolument rien, je l'ai mis ici dans la chambre, voilà, à côté de son lit. J'ai mis des petites peluches dessus. Du coup j'ai du bazar à remonter au grenier, bah, qui était ici. Je vais faire ça tout à l'heure franchement. Et au grenier, il faut que, si demain j'ai rien à faire, demain on est quand, jeudi, ça me ferait jeudi, vendredi, je voudrais aller au grenier et faire un tri. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a au grenier. Bon, il y a la moitié qui va rester là-haut, enfin qui va partir à la benne quand on déménagera, mais j'aimerais commencer à faire un tri, limite faire un côté on dégage, on garde pas, ou on essaie de donner avant, ou alors un côté on garde, c'est à récupérer. Vous voyez, je sais que mon chéri il a des livres manga, donc j'ai déjà réussi à en vendre sur Vinted, et il lui en reste, il y en a, il a pas la série complète et tout, et ça me fait mal au cœur, j'ai pas envie de les jeter. Donc éventuellement je vais essayer de les vendre, mais si j'arrive pas à les vendre, ben, si quelqu'un est fan de manga et qui habite sur la région et que je peux voir, je lui donne les mangas avec plaisir. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, il y a Death Note, je sais pas quoi, enfin il y en a plusieurs, et ça me fait mal au cœur de les jeter. Bref, aujourd'hui une autre de mes missions là, je vais détendre mon linge, je détends, comme ça pendant la sieste à Juliette ou ce soir je repasse. J'aurais aimé, je vais essayer de débarrasser ma table, bon ça je peux le faire quand Papette est dehors, et il faut que je change mes draps de mon lit et ceux à Juliette, je les ai changés la dernière fois, j'ai lavé la laise, j'ai pas remis, donc j'aimerais y remettre la laise. Voilà, en fait j'ai juste envie de vous prendre parce que du coup j'avais la flemme de tout, et finalement je suis partie dans un ménage rangement complet, donc je vous prends avec vous, ça sera sûrement sur plusieurs jours. Bon bah écoutez, je suis plutôt contente de moi. On va commencer par là. Bon là il y a l'aspirobot qui passait, mais je l'ai arrêté le temps de vous parler. Le coin Juliette rangé, aspiré. La table basse rangée, j'ai retapoté mes coussins. Oui, il y en a un gros trou, je sais, mais le canapé va changer. Ici comme je vous disais, c'est rangé, là j'ai enlevé le petit banc. Non, on va pas se promener, petit zèbre. Le jump, je vais le rendre à ma maman qui va le vendre. Parce que ça y est, maintenant que Juliette, elle tient bien, elle commence à se tenir debout et tout, ça ne l'intéresse plus comme avant. Donc je vais le rendre à ma maman, et ma maman, elle veut le revendre. Donc si vous êtes du coin et que ça vous intéresse, je pense qu'elle mettra ça sur Marketplace. Me suis occupée de mon linge, je vais remettre une autre tournée, mais je pense que ça va attendre demain. J'ai débarrassé tout ce qu'il y avait sur ma table, donc pour me défendre, ça c'est le sac que je vais donner à ma maman avec les jouets. Mon sac à main, bah voilà, je le laisse toujours là-dessus, après je peux le mettre dans le placard. Les autres chaises, c'est vide. Ça c'est à les ranger, trier dans le dressing, c'est des petits les cadeaux de la fête des papas, un album photo de Juliette, des courriers qu'il faut que je trie. Voilà, les litières elles ont été faites impeccables, j'ai fait les poussières, ici c'est notre clim, j'ai fait la vaisselle, mais j'ai laissé tremper la cuve du cookéo, j'ai les compotes à aller ranger,
Voilà, dans la cuisine, tout est nickel. J'aurais bien aimé passer un coup. Je vais avoir le temps. Oui, j'ai le temps. Il est midi 10. Ici, je vous avoue que j'ai rangé vite fait les chaussures à moi et Juliette. Mais je vais re-ranger. Les deux sacs allongés, ils restent toujours sortis. Parce que bah, j'ai besoin de les avoir à la vue dès qu'on sort. Je mets juste les yaourts, tout ça dedans. Je m'occupe de ça. J'ai honte, putain j'ai honte. Je m'occupe de ça ce soir ou cet après-midi. En fait, vous voyez, si vous voulez, ma porte d'entrée est juste là. Et ça, ça c'est ce que j'appelle le meuble à bazar. Parce que en gros, tu rentres, ce que tu as dans la main, tu le balances ici. Donc il y a des trucs qui ont besoin d'être rangés, il y a des trucs qui restent H24 dessus. Vous voyez, par exemple, là c'est mon huile quand il a fait beau, mes huiles pour le corps, mes gouttes pour les yeux, tout ça. Les bulles à Juliette, ça se range. Les mouchoirs, ils restent toujours ici. Bon bah maintenant, en plus des mouchoirs, on a une boîte à masque, évidemment. Tout plein de petits trucs qu'il faut vraiment que je range mes produits Anaka 3. D'ailleurs, je sais pas. Bien joué. Je ne sais pas si je vous. Non, je crois que je ne vous ai pas encore sorti la vidéo où je vous en parle. J'ai eu ça de Anaka 3. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai déjà testé des gels comme ça, minceurs et tout. Le problème, c'est que j'ai pas été régulière, mais le temps où je l'ai utilisé pendant 15 jours non-stop, j'ai vraiment vu une différence. Alors, j'ai pas maigri, j'ai pas perdu de poids, mais mon ventre s'est un peu affiné. La qualité de ma peau était beaucoup plus jolie. Donc là, ça y est, je l'ai laissé sorti pour penser à m'en mettre, parce qu'en fait, si je le laisse dans la salle de bain, j'y pense pas. Donc, je pense que je vais le laisser sur la table, ça va encore me faire du bazar. Mais le seul endroit où je vais y penser et le voir, c'est sur la table pour le mettre. Donc voilà, j'ai toujours moi ma boîte, une boîte à bijoux ici, il faut que je trie, c'est les bijoux que je mets, Miu Miu elle est en train de dégommer la litière, c'est les bijoux que je mets le plus souvent avant de sortir, vous voyez j'ai ma montre, ma bague que mon chéri m'a offert à Noël, enfin plein de choses comme ça, des jeux à gratter qu'il faut qu'on aille se faire rembourser parce que j'ai gagné 20 €, du dentifrice, ouais, qu'est-ce que ça fait là, des Gaviscon parce que mon chéri a eu mal au ventre, et ça c'est la voisine qui a donné ça à mon chéri, c'est des produits pour les clopes, donc je vais lui ranger, je crois que celui-là il veut le garder à la vue parce qu'il a fini, ouais il l'a fini mais il adore, il veut aller s'en racheter, et puis voilà j'aurai également les tiroirs à bazar, parce que le meuble à bazar ne va pas sans les tiroirs à bazar, que j'avais déjà rangé il n'y a pas longtemps, mais de toute évidence je ne sais rien garder rangé. C'est plus celui-ci qui est en bazar, celui-là, bah voilà, celui-là c'est les carnets de famille, là, chez qui est beaucoup de piles, sacs pour faire la litière, qu'est-ce que c'est ça ? Des ampoules, non mais des médicaments ici quoi, c'est quoi ça ? Ah ça c'est pour la Nive à Juliette, des petites flamèches là, des tournevis parce que quand on a besoin au moins on l'a sous les yeux. Enfin voilà, bref, vous avez compris, il va falloir que je range ici. Du coup, ouais, je vais être moche dans cette vidéo, mais on s'en fout. Hein. Franchement, on est là pour ranger la maison. On s'occupera de mon ravalement de façade plus tard. Ça va être sur plusieurs jours, hein, parce que là, cet après-midi, je vais me concentrer, je pense, sur le dressing pendant que Juliette est dort. Je voulais repasser, mais je vais plutôt repasser ce soir quand elle va dormir. Et cet après-midi, me concentrer un peu sur le dressing en espérant pas faire de bruit, parce que bah, la chambre est juste à côté. Du coup, j'ai honte de vous montrer le dressing, mais en fait, il y a des choses que je vais aller mettre au grenier quand il sera rangé, qui me prennent trop de place ici. Je vous montre, ne me jugez pas sur le bazar, s'il vous plaît, je crois que... Pff, on est tous comme ça, on a tous une pièce à bazar. Hein. Donc là, je suis à ma porte d'entrée. Bon, il n'y a rien derrière la porte. Donc là, c'est j'ai des chaussures qu'il faut que je range ici. Là, j'ai sorti deux sacs à dos parce que j'ai pas besoin de deux sacs à dos. J'en veux qu'un. Je sais juste pas encore lequel je garde. Je pense que je vais garder celui que j'ai eu à Primark. Et celui-là, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Bah non, ma soeur ne le veut pas puisque ma soeur... On a déjà un, je lui en ai donné un, ça je l'avais reçu en double, je lui en ai donné un. Je vais garder celui-là, moi je vais mettre celui-là à vendre sur Vinted si jamais il vous intéresse. Ça c'est des... Il n'y a pas beaucoup de vêtements, attendez, je vais me justifier, mais il y a très peu de vêtements. C'est parce que j'ai ressorti des shorts que j'ai retrouvés, une jupe et des petits débardeurs comme ça pour l'été trop bien qu'il faut que je range. J'ai pas fait aussitôt. Une robe qu'il faut que je mette à vendre sur Vinted que moi je me suis commandée mais elle passe pas au niveau des boops. Des boobs trop gros. C'est super d'avoir des gros seins, mais malheureusement, après, on s'habille plus du tout comme on veut. Bref, un sac de vêtements que pour Juliette que ma soeur m'a donné. Ça, c'est un gilet que faut que je range. Et ça, non, sans déconner, c'est elle. Mioum, tu sais que j'en ai marre de toi. Tu sais que j'en ai marre. En fait, je sais pas ce qu'elle a quand c'est des sacs et tout. Vous voyez, ici, là-dedans, j'ai mis plein de vêtements que je faut que je réessaie, qui vont m'aller. Puis voilà, mes maillots de bain. J'ai mis des pulls et tout. Et donc, je mets tout là-dedans. C'est bien rangé, bien caché. Vous voyez, c'est comme ça, en fait. Et Miu Miu, elle sort tout. Et donc là, bah, elle m'a tout sorti dans le carton. Donc, il va falloir que je mette ça ailleurs. Je sais pas où, mais il va falloir que je mette ça ailleurs. C'est une catastrophe, Miu Miu.
Et là, en fait, bah, ça fait hyper bazar, alors qu'en soi, c'est plutôt rangé. Si vous voulez, je garde beaucoup de cartons pour mes ventes Vinted, mais là, j'ai plus rien à vendre, donc je pense que je vais aller bah, les jeter. La même, ça, c'est un sac avec la machine à ongles qu'il faut que je range, parce que je vais me faire mes ongles plus tard. Et je vous ai pas oublié, hein. Je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mes ongles au semi-permanent, simplement ces derniers mois, depuis Noël. Mes ongles, c'était une véritable catastrophe. Ça faisait trop longtemps que je faisais du semi. Ils se sont tous pétés, et là, je récupère seulement des ongles. J'ai jamais eu les ongles aussi courts, donc je vais les laisser se renforcer un petit peu, et d'ici un mois je pense que je vais refaire mes ongles. Ça c'est une caisse qu'il faut que je range bah, dans le placard. Ça c'est mes petits derniers achats actions que je range. Voilà encore des, voyez, des boîtes que je garde à chaussures pour envoyer mes colis Vinted, mais ça me prend trop de place. Caisse de vêtements à Juliette que je garde, caisse de vêtements à vendre, ça pareil j'aimerais les mettre au grenier ou ailleurs parce que ça me prend de la place. Ça c'était ma valise de maternité, dedans il y a des vêtements que je mets plus mais que je garde, du coup j'aimerais pareil la mettre au grenier parce que ça me prend trop de place. Ça c'est un sac de vêtements bébé que je vais donner. Ça c'est un sac de vêtements qu'il faut que je mette sur Vinted. Bah vous voyez j'ai encore des vêtements Vinted à vendre. Et ça c'est le sac comment j'ai fait ça. Et ça c'est un sac de vêtements que je vais donner à ma copine Élise. Ça il faut que je range. Ça c'est ce que je viens de plier. Et du coup bah, tout ce qui était sur la, tout ce qui traînait en fait dans la... les pièces à vivre, j'ai tout ramené sur mon bureau. Donc bah, forcément il faut que j'aille les ranger. Voilà. Vous pouvez me juger, c'est clair, c'est le bazar. Et j'ai beau ranger nickel, tout comme il faut, je sais très bien que je vais remettre le bazar dans la semaine. Parce que je suis comme ça, je suis pas bordélique. C'est juste qu'en fait, je range pas tout de suite. Vous voyez, par exemple, ce soir, je vais me changer. Ou si on sort, parce que ça, c'est ma tenue pour traîner. Si on sort, je vais me changer. Et ça, au lieu de les plier correctement, les remettre, vu que c'est pas sale, je les mets, je l'ai mis hier, et remettre dans le dressing ou aller les mettre au sale, peu importe, ben non, je vais les mettre là, sur mon petit banc, ça, là, le banc, c'est le pire achat de ma vie, parce que dessus, je n'y mets que du bazar. D'ailleurs, j'hésite fort à m'en débarrasser, sauf qu'il y a du bazar dedans, donc ça cache bien la misère quand même. Mais là, non, ce banc, il faut que j'arrête de mettre du bazar dessus parce que je m'en sors pas en fait. Il y a une montagne de linge. Dès que j'ai des sacs, des choses comme ça, bah, je mets tout dessus mais je ne m'en sors pas. Donc voilà, cet après-midi, comme ça fait pas trop de bruit, je vais m'occuper de ça pendant que Juliette va dormir en espérant qu'elle dorme bien. Écoutez, ça fait 2-3 jours qu'elle fait 2 heures de sieste. Donc moi, je suis très contente parce que j'ai le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Et voilà, en tout cas... Oh pardon, je t'ai marché sur la queue. En tout cas, du coup, mes pièces à vivre la font hyper aérées. J'ai l'impression que ça résonne. J'ai l'impression que j'ai pas enlevé le meuble. Du coup, je suis contente. Et puis voilà. Et demain, si jamais... je vais essayer de tout finir ici ce soir. Et demain, après, j'ai juste des petits placards à ranger. Vous voyez, j'aimerais refaire les tiroirs là de mon buffet. Après, je vous emmènerai au grenier avec moi pour trier tout ça. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Bon, j'ai retrouvé ma grenouille, il est 1h30, j'étais la chercher, ça a été mieux que les autres jours chez mamie, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué chez mamie nounou, le matin, tout ça. Aujourd'hui ça a été mieux, là elle adore une fois que j'ai tout bien rangé comme ça, tout dérangé. Donc j'ai rangé ce matin, je vais ranger quand elle va être au dodo. Elle va déranger et je vais re-ranger ce soir maintenant quand elle ira au dodo. En tout, je range 3 ou 4 fois dans la journée. Voilà. Et du coup, moi, mon petit repas, très rapide, hein, clairement, ça va être ça. Je sais, j'en avais un dans le frigo qui m'attendait. Et comme aujourd'hui, j'ai rien eu le temps de faire, il n'y a rien de prêt, rien dans le frigo. Ben, ça va être ça. Voilà ma vie, franchement. Moi, si j'étais riche, si j'avais les moyens, c'est pas une femme de ménage que je prendrais, parce que le ménage, ça me dérange pas du tout de le faire, ça me détend. C'est une cuisinière, franchement. Genre une cuisinière qui me fait... j'ai renvoyé la balle à Juliette. Une cuisinière, vous voyez, genre je lui dis ce que je vais faire, je lui prépare un menu sur la semaine où elle me fait ce qu'elle veut, en fait. Genre elle vient le midi ou le soir, et puis elle me prépare pour le lendemain midi. Enfin, juste quelqu'un qui me fait à manger... Parce que c'est tellement relou de se faire à manger. Je prends aucun plaisir à faire à manger, sauf quand c'est des recettes que j'adore. La pâtisserie, oui, mais le repas, je sais jamais quoi faire. C'est tout le temps répétitif. Monsieur est compliqué, je suis compliquée. Donc voilà. En espérant que tu sois pas aussi difficile que nous. Hein. Rien à foutre, maman. Je joue.
Tu danses? Bonjour Juliette. Bonjour. Coucou. Coucou. Tu fais coucou toi? Fais coucou. Bon du coup, Juliette s'est réveillée comme vous pouvez l'entendre. Elle râle parce que je l'attends pas. Viens, rejoins-moi. Rejoins-moi mon cœur. Oh non! Viens me voir. Ah, bébé. Ah, arrête de chouiner. Oh, mon amour, tu sais ramper, non? Viens, allez, viens. Mon petit lapinou d'amour. Aïe, mon petit cœur d'amour. C'est une raison de pleurer? Je crois pas. Non. Lise, et voilà le petit coin de bureau. J'ai rangé, j'ai cliné, j'ai passé un petit coup. Ça va dans la salle de bain. Voilà. À ce niveau-là, j'ai enlevé ce que je pouvais enlever. Là, ce qui reste, c'est une robe que ma soeur m'a donnée qu'il faut que j'essaie. Des body pour Juliette qui sont pas encore à sa taille. J'ai pas encore trié là les sacs à main. Il me reste encore, comme vous voyez, les petits cartons et ce coin-là à ranger. Mais ça, je ferai ça plus tard. C'est pas urgent, urgent. Le principal, c'était surtout ça et le bureau. C'est ce qui est fait. Je crois que Simba nous avait passé un message en disant que la prochaine fois, il voulait venir avec nous. Il était dans le sac à langer, couché, avec sa grosse tête qui dépassait. Il vient de sortir. Bon, je vous retrouve le lendemain. Je vous avoue qu'il est 10h30. J'ai emmené Juliette chez ma mère et je me suis affalée dans le canapé. Je sais pas, je suis pas motivée, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire à part rester allongée. Mais il fait beau tout ça, donc je vais essayer de me motiver au moins pour faire ça. Un truc que là j'ai envie de ranger qui est en bordel, et je sais très bien que le problème c'est que tout ce que je vais avoir déplacé d'ici, je vais vouloir le mettre dans des tiroirs, genre ceux qui sont là dans mon buffet. Et il faut que je les range aussi, donc en fait c'est un cercle vicieux. Donc écoutez, je vais essayer de faire ce que je peux faire. J'ai aussi la vaisselle à faire. Et puis voilà, pas de sport aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai vraiment la flemme, ma mèche, je l'ai coupée hier, c'est une catastrophe, je me trouve affreuse. J'aurais bien voulu me maquiller et tout, mais je vais essayer d'aller voir aussi au grenier ce que je peux faire. Donc je vais au moins faire la console, c'est parti. Vaisselle faite, console rangée, je vous ai pas montré. Console rangée, voilà, tout ce qui est important reste, donc mouchoir, masque, scotch pour mes colis Vinted, et voilà, au moins c'est là. Petit post-it pour quand j'appelle, c'est les produits à clope à mon chéri, rouleau anti-poil quand on a un animal, c'est tout à fait normal. La boîte à lettres, bazar, tous les papiers que j'ai besoin d'avoir sous la main pour l'instant. J'ai toujours ma boîte à bijoux que je laisse ici, c'est les bijoux que je mets le plus souvent, à côté c'est mes bracelets. Mon petit rendez-vous chez le dentiste, là j'ai laissé sortir mes chaînes parce que je voudrais aller les faire nettoyer. Chez le bijoutier et enlever les, qui m'enlève les nœuds si c'est possible. Il y en a qui sont des filles de bijoutier et qui m'ont dit que oui c'était possible, donc j'allais me renseigner. J'ai l'hydroalcoolique, même en temps de non-covid il a toujours été là, enfin il y en a toujours un. Et notre petit bol à pièces, bonbons, lima ongles, et ça c'est jeu à gratter qu'il faut jamais faire rembourser. Voilà, du coup là je vais passer un coup de balai vapeur partout, l'aspirateur est en train de passer dans la chambre et voilà voilà quoi. Bon voilà, j'étais me passer, ça se voit même pas, j'ai été me passer juste sans anti-cerne, sans rien, un coup de mascara et de liner vraiment vite fait. Je pouvais plus voir ma tête fatiguée, moche comme ça. Bon, je pense que les cheveux, ils sont pour beaucoup, j'aurais besoin, j'aimerais bien aller au coiffeur faire une patine. Dans l'idée, j'aimerais remonter encore plus mon blond et l'éclaircir et refaire une petite coupe, tout ça, mais c'est pas trop prévu au budget. Donc je m'étais dit juste une petite patine pour rafraîchir mon blond et un petit brushing, tout ça, mais on verra, on verra, on verra. Voilà, parce que pour l'instant, je vous avais dit que j'ai un petit souci avec mes paiements de la sécurité sociale qui sont pas encore du tout réglés. Et en fait, pour vous la faire claire, ce mois-ci, je n'ai pas eu de salaire du tout, donc c'est assez compliqué de vivre sans salaire forcément, voilà, enfin avec qu'un salaire. Écoutez, je suis contente parce que ma maison est propre, rangée, j'ai passé un coup en gros de j'ai lavé le sol, c'est vraiment nickel, ça me plaît, c'est resté assez rangé, donc je suis contente. Voilà, le plus gros effet, comme je vous dis, je voudrais ranger l'intérieur des placards et tout, mais
Je sais pas ce que j'ai là ces derniers jours. Je suis fatiguée, j'ai envie de rien. Donc écoutez, il fait assez beau aujourd'hui, ça change. Si jamais Juliette ne dort pas trop, on ira faire un tour de poussette. Voilà, on ira faire un tour dans le quartier. Ça me fera du bien de prendre un peu l'air. Puis elle aussi, parce que du coup, elle est pas sortie vraiment de la semaine. Voilà, comme je dis des fois à mon chéri, souvent quand je lui dis que j'ai envie de sortir, on sort, on va chez du monde. Sauf qu'en fait, je sors de l'intérieur de chez moi pour retourner enfermée chez quelqu'un d'autre. Parce que voilà, en général, quand on va chez mes parents, chez sa famille, on est dehors quand il fait pas beau. Donc c'est voilà, quand je dis que j'ai envie de sortir, c'est juste que j'ai envie de sortir dehors, prendre l'air, m'aérer. Après ça fait aussi du bien de voir la famille, mais c'est vrai que des fois j'ai envie juste d'être dehors, marcher un peu, prendre l'air, voir, ou même juste aller dans les magasins sans rien acheter, hein. Mais juste faire les magasins, ça me manque beaucoup, parce qu'avant on sortait quasiment tous les jours sur la zone commerciale. Et depuis qu'on a Juliette, vous voyez là, on est des semaines, 15 jours sans y aller. Bref, écoutez, moi j'ai tout fait, j'ai ma nourriture qui est prête pour ce midi. Je vais essayer de regarder ce qu'on pourrait faire pour ce soir, sachant qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Je vais essayer de faire le drive quand Juliette va dormir, et aussi quand elle dort, j'essaye de me reposer. Même si je dors pas, mais juste pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste être allongée et regarder un film, en espérant qu'elle dorme un petit peu plus qu'hier, parce que du coup hier c'était compliqué, elle a dormi qu'une heure et demie, elle était fatiguée. Et il était ronchon, du coup on n'en a pas profité beaucoup le soir, parce que ça a été dodo à 8h. C'est la première fois qu'elle se couche si tôt. Ouais, 8h c'est plutôt qu'elle s'est couchée. Écoutez, il me reste 3 quarts d'heure avant d'aller chercher la puce. Donc j'ai envie d'aller au grenier vite fait, faire un petit état des lieux. Je sais que j'ai déjà un sac poubelle à descendre, donc éventuellement je vais le mettre devant ma porte, vu que je suis tout en haut là. J'ai juste 3 marches à monter, je suis au grenier. Le mettre devant ma porte d'entrée pour penser à le descendre tout à l'heure, et je vais commencer à aller trier, voilà. Ou je prends, enfin je vais peut-être pas prendre de sac poubelle, je vais voir, je vais aller trier. Je sais que j'ai 2-3 sacs, je prends mon téléphone parce que je veux prendre en photo si j'ai des choses à vendre, et je vous emmène avec moi. Bon, je suis montée en chaussons, en tongs. C'est pas le top parce que je sais qu'il y a plein de mouches mortes en haut. Je ne sais jamais c'est quelle clé qui ouvre ici. C'est pas la master. Alors, oh là là, c'est vraiment dégueulasse. Toutes les mouches mortes, mais ça, on n'y peut rien malheureusement. Alors, j'espère ne pas tomber sur une bête. Déjà, ça et ça. Alors, pour vous faire un petit état des lieux. Le truc rose, ça va partir à la benne, c'est mon père qui m'avait fait ça pour accrocher mes boucles d'oreilles, mais je sais pas quoi en faire, personne n'en veut. Ça, on le garde, c'est toutes les prises qu'on a défaites et tous les ampoules là pour quand on partira. Je vais plutôt passer par là. Donc ça, c'est le sac poubelle qu'il faut que je descende, que j'ai déjà trié. Ça, c'est à garder. Ça, c'est pareil, c'est des baguettes à garder. Ça, c'est des trucs à mon chéri, je sais pas ce qu'on en fait. Ça, je pense que je vais le jeter. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à jeter. Et mon chéri, qui est un collectionneur de tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, il souhaite garder les boîtes de tout et n'importe quoi. Donc, boîte vide de Nintendo, boîte vide de parfum, boîte vide d'une manette de PS4, boîte vide, enfin, des milliards de boîtes vides. Plein de trucs à trier, vraiment. C'est la débandade ici. J'ai honte, c'est vraiment là où on met tout. Bon, du coup, j'ai été chercher des sacs poubelles et on va commencer à trier un peu. J'ose même pas toucher la notice du micro-ondes que l'on n'a plus. Voilà. Les boîtes, normalement, elles sont toutes vides. Attendez, je sais même pas. Il y a quoi là-dedans? Oh là là, mais c'est n'importe quoi de garder ça, Auréline. Mais je suis vraiment... Enfin, je me déprime moi-même. Alors ça, hop,
boîte de parfum vide poubelle. Donc écoutez, voilà où on en est. J'ai fait tout ce côté-là, je suis plutôt contente. Donc il y a des choses, là c'est tout ce qui est boîte vide, ça c'est un sac de merde à virer. J'ai des verres là-dedans, les outils à mon chéri. Ça je l'ai mis à vendre, c'est un appareil à raclette pour deux. Si ça part pas, et bah ça ira en bas de chez moi et quelqu'un le prendra. Ça je le garde au cas où pour la maison, c'est un petit blender, Monopoly, des seaux de peinture, moustiquaire. Ça c'est toute une colonne de boîte vide. Bon ça c'était une housse d'ordinateur, mais elle commence à moisir. Un sac de chaussures à moi. Dans le fond, c'est une mini télé. Voilà, des câbles. Mon miroir que j'ai laissé ici emballé. Ventilateur. Derrière la chaise, dans tout le fond, ce ne sont que des piles de boîtes vides. Je vais prendre deux, trois petites choses en photo que j'aimerais vendre. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé un lot de couverts. Et ça, je le garde parce que c'est des beaux couverts bien solides par rapport à ce qu'on a. Et à la maison, là j'ai pas de place, mais à la maison ça me servira. Donc ça, je le garde. Et je me mets à la vue ce que je risque d'avoir besoin. Bah, vous voyez, ça par exemple, je vais le mettre ici. Parce que si les chats tombaient malades ou autre, ce que je souhaite pas, mais j'en aurais besoin. Donc ça, je laisse à la vue. Écoutez, ça fait déjà, regardez, je me mets à la porte, ça fait un petit peu plus aéré déjà. Bah écoutez, c'est beaucoup mieux, j'ai tout ça de libre. Donc là, en fait, pour vous donner, j'espère qu'on verra bien, parce qu'il n'y a pas de lumière ici. Là, c'est une montagne de cartons vides et de sacs. Mais c'est quand on déménagera, vous voyez, je garde des sacs pour quand on déménagera. Il y a des cartons d'IKEA pour placer les verres. Boîte de PlayStation vide, ça, on les jettera. Ça, c'est des choses que l'on garde. Je vais essayer de vendre ça. Sapin déco de Noël, une télé géante derrière qu'on a pris à un voisin qu'on devait réparer, finalement il veut plus la réparer, il veut la jeter, donc on va la jeter. Notre barbecue qui a un peu pris l'eau au passage. Voilà, des petites choses dont on va avoir besoin. Il y a quand même une grande majorité de choses qu'on garde, et ça me fait peur parce qu'à la future maison on n'a pas de grenier, on a un garage pour une voiture, c'est tout. Ça c'est un prochain sac poubelle, c'est des trucs à donner que je mettrai en bas plus tard parce que là je vais te charger. Puis voilà. Bon, du coup, je voulais aller voir mon chéri à son travail avec Juliette, lui faire une surprise, lui dire on est en bas et tout. Mais il nous a devancé. Au moment où j'étais en train de mettre mes chaussures, il me dit allez, j'arrive, je rentre. Donc du coup, c'est pas grave, on va aller se balader. On a une petite Juliette bien bien ronchon à cause des dents. Elle pleure sans aucune explication, même dans les bras, elle râle. Elle mange beaucoup moins, elle a des diarrhées. Je vous rassure, hein, c'est à cause des dents, puisque c'est pas répétitif, c'est vraiment ponctuel une fois de temps en temps. Donc du coup, je lui ai donné un peu de camélia, je lui ai mis du dolodent avant de partir, en espérant que ça la calme. Et puis là, on va du coup faire un tour de poussette, parce que comme je vous dis, elle est vraiment ronchon, il n'y a rien qui a calmé et tout. Donc bah, je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas où papa a prévu qu'on aille, si on va voir du monde ou... Si on va juste se promener, écoutez, on verra. J'aurais envie de marcher un peu, mais bon, on verra. On revient un peu tout de suite. J'ai retrouvé le petit goggle. C'est calme, il n'y a aucun gamin. Ouais. Ça va, Belette? Elle est trop contente, elle est face aux gens. Et avec toi, toutes les fleurs piquent. Je suis sûr que c'est du maïs. Bah, pourquoi il n'y a pas le maïs? Je sens en dire un vieux. Moi, à mon époque, ça poussait plus tôt quand même. Hein. C'est le réchauffement climatique, ça. Grenouille. Ces petits cons et leur scooter. Leur scooter. Scooter. Gros air. Et leur pétrolette. Viens, va nous montrer l'eau qui est là, de plus près. Quoi? Wow. On avait fait des photos ici avec Mélo. Hein? Le vlog Cerzan n'est pas encore sorti en plus. Oh, j'ai trop de vlogs en retard. Pas plus haut que le bord. Bah, vu de là, elle est propre, hein. Mais après, si tu t'enfonces, pas réellement. C'est tellement joli ce cadre, c'est apaisant.
Oui, la poussette. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire. Bah pour dire mon retour. Alors pour mon retour sur la poussette, le Cibex Easy Twist. Elle est vraiment bien. Bah, ça n'a rien à voir avec la Janée, parce que la Janée c'est une tout terrain. Ça c'est une poussette de ville. Donc pour la ville c'est bien. Pour tout ce qui est gravier tout ça, c'est un petit peu moins bien. Là, ça c'est trop bien. La pochette là pour téléphone clé, ça c'est top. Elle se plie hyper compacte. Trop pratique, elle se twist du coup d'un sens à l'autre hyper rapidement, facilement, simplement. Le seul point négatif que je lui trouverais, hormis que bah elle est pas tout terrain, ça on le savait, c'est que elle est tellement légère, maniable et compacte que si Juliette se penchait trop sur le côté, eh ben elle pourrait vraiment basculer. Franchement, la dernière fois j'étais toute seule et une roue était dans un trou, mais elle a vite basculé. Heureusement je la tenais. Sinon voilà, pour juste de la ville, tout ça, des magasins, s'il y a pas de campagne, de gravier, elle est nickel. J'ai tout dit ? Amen. Amen.